par le souffle de l'Esprit, par l'amour d'un Père, par l'accueil d'un Fils, par une brise matinale, par un ciel bleu d'hiver, par un timide rayon de soleil, nous sommes accueillis ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sa grâce est sur nous, ici et maintenant. Et pour répondre à cet accueil, nous nous levons pour chanter « Oh, que ces choses belles !» C'est le cantique numéro 45 dans vos registres. Cantique numéro 45, certes, ces choses belles. Restons debout parce que nous allons continuer la louange tout de suite. Bienvenue à tous et à toutes pour ce temps de culte. Bienvenue aussi aux nouveaux visages et aux petits-enfants qui sont avec nous et aux grands-enfants aussi qui sont avec nous ce matin à la cathédrale. La cathédrale est la maison de tous et toutes. Soyez-y toujours accueillis et bienvenue. Et bienvenue à celles et ceux qui vont nous rejoindre tout à l'heure, un peu plus tard, sur le réseau Internet. Nous poursuivons la louange en antiphonant le psaume 27. Vous trouverez le texte au psaume 73 et nous allons commencer par chanter l'antienne.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Que s'avancent contre moi les méchants, mes adversaires et mes ennemis. Ce sont eux qui perdent pied et qui s'effondrent. Que m'assiège une armée, mon cœur sera sans crainte. Que la bataille soit engagée contre moi, je garde ma confiance. Écoute, ô Seigneur, ma voix qui t'invoque. Prends-moi en pitié et daigne m'exaucer. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Seigneur. Ne détourne pas de moi ton visage. Ne jette pas ton serviteur dans ton courroux. Ne me délaisse pas, toi qui as été mon secours. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Que mon père et ma mère m'abandonnent. Le Seigneur, lui, me recueille. Seigneur, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi sur une voie sûre, malgré ceux qui me guettent. Ne me laisse pas à la merci de l'adversaire, de faux témoins qui se lèvent contre moi et ne respirent que violence. Oui, j'en ai l'assurance, je verrai la bonté du Seigneur. Sur la terre des vivants, je la verrai. Mets ton espoir dans le Seigneur et prends courage. Sois fort, dans le Seigneur mets ton espoir. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ensemble, prions pour remettre à Dieu ce qui nous charge. Dieu d'amour et de tendresse, nous confessons que nous nous accrochons tellement à nos vieilles habitudes que nous avons de la difficulté à nous tenir les mains ouvertes devant toi et à accueillir la vie nouvelle que tu nous offres. Nous venons pour que tu nous libères, que tu nous libères de l'agitation qui nous opprime, des doutes qui nous assaillent, des illusions d'autosuffisance qui nous emprisonnent, des peurs qui nous paralysent, de la douleur qui nous engourdit. Aide-nous à t'ouvrir un large chemin au cœur de notre vie, afin de célébrer pleinement le mystère de ta générosité. Amen. Peuple de Dieu, lève-toi pour accueillir
les paroles de grâce. Nous lisons dans 2 Pierre, « Le Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes. C'est pour vous qu'il patiente, car il n'accepte pas d'en laisser quelques-uns, quelques-unes se perdre. Mais il veut que tous et toutes aient le temps de se convertir. Dans l'attente de ce jour, bien-aimés, faites donc tout pour que le Christ vous trouve net et irréprochable dans la paix. Et si notre Seigneur montre une telle patience, croyez bien que c'est pour votre salut. Grâce soit rendue à Dieu. Pardonnez, libérez, écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette vérité un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns les unes des autres. Car toute la loi se résume dans ce seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Et nous chantons « En toi, je me confie ». C'est le numéro 389 de vos recueils de chants. « En toi, je me confie ». Genèse, chapitre 21, versets 1 à 20. Le Seigneur intervint en faveur de Sarah en faisant d'elle ce qu'il avait dit. Elle devint enceinte alors qu'Abraham avait déjà un grand âge et elle mit au monde un fils à l'époque que Dieu avait annoncé. Abraham nomma Isaac, ce fils que Sarah
lui avait donné. Il le circoncit à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans à la naissance d'Isaac. Sarah déclara : « Dieu m'a fait rire de joie. Tous ceux qui entendront parler d'Isaac riront avec moi. » Et elle ajouta : « Qui aurait pu dire à Abraham qu'un jour Sarah allaiterait des enfants ? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit. Quand Sarah cessa de l'allaiter, Abraham fit un grand banquet. Un jour, Ismaël, l'enfant que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham, était en train de jouer. Sarah le vit et dit à Abraham : « Chasse cet esclave et son fils. Celui-ci ne doit pas hériter avec mon fils Isaac. » Ces paroles firent beaucoup de peine à Abraham parce qu'Ismaël était son fils. Mais Dieu lui dit : « Ne sois pas contrarié au sujet de ta servante et de son enfant. Accepte de faire tout ce que Sarah t'a dit. » En effet, c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Quant au fils de ta servante, je ferai aussi naître de lui un peuple, car il est ton fils. » Tôt le lendemain matin, Abraham prit du pain et une outre remplie d'eau, les donna à Agar, lui mit l'enfant sur le dos et la renvoya. Elle erra dans le désert de Beersheba. Quand il n'y eut plus d'eau dans l'outre, elle abandonna l'enfant sous un arbuste, puis elle s'assit à l'écart, à la distance d'un jet de flèche, car elle se disait : « Je ne veux pas voir mourir mon enfant. » Elle s'assit donc à l'égard et elle se mit à pleurer bruyamment. Dieu entendit la voix de l'enfant et des cieux, l'ange de Dieu appela Agar. « Qu'as-tu, Agar ? » lui demanda-t-il. « N'aie pas peur. Dieu a entendu la voix de l'enfant là-bas. Debout, prends ton fils. » Et tiens-le d'une main ferme, car je ferai naître de lui un grand peuple. » Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle aperçut un puits. Elle y remplit l'outre et donna à boire à son fils. Protégé par Dieu, l'enfant grandit. Il habita dans le désert de Paran et devint un habile tireur à l'arc. Sa mère lui fit épouser une Égyptienne. Nous abordons la preuve de la justification par la foi en Jésus-Christ. Épître de saint Paul aux Romains, chapitre 4, versets 1 à 8. Quel avantage dirons-nous donc qu'Abraham, notre père,
est obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais il n'en a pas sujet devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait aucune œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi, lui, est imputée à justice. C'est ainsi que David proclame la béatitude de l'homme à qui Dieu impute la justice indépendamment des œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés ont été couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Et nous chantons « Louange et gloire au Créateur », c'est le numéro 104, « Louange et gloire au Créateur ». Un homme avait deux fils. Un homme avait deux fils. L'aîné, Ismaël, était le fils d'Agar, une servante égyptienne. Abraham et Sarah ne pouvant enfanter, Sarah avait proposé Agar à Abraham pour porter son enfant et accomplir cette bénédiction d'avoir une grande descendance. Abraham avait deux fils, l'aîné Ismaël et Isaac, le cadet. L'inattendu, le don de Dieu au couple déjà très avancé en âge. La venue d'Isaac, qui signifie que Dieu rit, déjoue avec humour les lois de la nature. Mais rien n'est impossible à Dieu. Annoncé par trois visiteurs au chêne de Mamré, le jour où Sarah avait ri, l'enfant du rire et de la promesse, Isaac semble plein de vie et profite des jeux avec son demi-frère Ismaël. Nous aussi, profitons de ce moment de joie, d'allégresse. C'est assez rare finalement dans le texte biblique d'avoir comme cela un moment de joie pure, la joie d'un couple qui accueille un enfant nouveau-né après plus d'un siècle d'attente. Alors, la coupe déborde, papa effectue le rite religieux sur l'enfant, la circoncision, pour manifester que ce garçon a aussi un autre père, Yahvé. La maman, dans son grand âge, assume sa maternité, allaite son enfant. Et oui, elle rit, Sarah.
Elle rit de son bonheur et se moque gentiment de la situation, comme pour mieux se rendre compte de l'extraordinaire, un fils lui est donné. Alors elle dit, oui, qui aurait pu dire à Abraham qu'un jour Sarah allaiterait des enfants ? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Il y a dans ce pourtant tout l'extraordinaire de ce temps de naissance. Malgré les doutes de Sarah, malgré la vieillesse, pourtant, la vie advient. Nous connaissons dans notre vie tous et toutes de ces moments extraordinaires où tout est chamboulé. Ces temps où la vie, où le quotidien semble être suspendu à la joie et à la fête. Par exemple, pour la venue d'un enfant dans un foyer. Alors, Abraham s'active pour préparer le banquet, célébrer les moments de l'existence comme une naissance est un acte de foi. Se réjouir des belles choses comme une prière qui monte à Dieu. Un homme avait deux fils et il était dans la joie. La joie, il faut la savourer quand il est temps, car le temps retourne vite en temps ordinaire. Les enfants rient et s'amusent, mais à côté, les vieilles rancœurs refont surface, comme une amertume trop longtemps refoulée. Comme tous les petits garçons du monde, Ismaël et Isaac s'amusent ensemble. Et comme toutes les mères au monde, Sarah garde un œil sur sa progéniture. Le désert est quand même une terre de grands dangers. Mais dans Sarah, un ressentiment cruel commence à prendre emprise sur elle. Un sentiment qu'elle peut de moins en moins contenir. Bien entendu, c'est elle qui a souhaité qu'Agar connaisse Abraham pour avoir un fils. Elle était consentante et a initié la rencontre. Bien entendu, Ismaël est un bel enfant et il n'y est pour rien dans ces histoires de grandes personnes. Pourtant, et là aussi, tout est dans ce pourtant. La présence du premier fils d'Abraham au campement, commence à exaspérer Sarah au plus haut point. Ismaël, ce garçon est le gênant qui va à ses yeux en plus spolier une part d'héritage de son fils. La présence d'Ismaël, manifestation vivante de sa longue période de stérilité, lui devient peu à peu trop lourde à porter. Alors le rire cristallin d'Ismaël, mêlé à celui de son fils, lui écorche l'âme, et Sarah demande à Abraham l'impossible, rejeter son fils. Le rire comme fil rouge, le rire d'allégresse d'Abraham à la première annonce de sa future paternité, les rires de Sarah, tout d'abord rires de scepticisme, qui se transforment avec la venue d'Isaac en allégresse. Puis ce dernier rire, mal interprété, le rire de l'innocence, le rire de l'enfance, que Sarah prend comme une moquerie contre elle. Un homme avait deux fils. Un homme avait deux fils. Et il est obligé d'en laisser partir un. Nous pouvons indéfiniment gloser sur les raisons de l'injustice de cette séparation, mais les faits sont têtus.
Ismaël doit partir. Ismaël doit quitter le campement de son père. Pour Abraham, c'est un déchirement. Ismaël est aussi son fils, comme il le dit à Sarah. Un homme avait deux fils et il est en train d'en perdre un, car la cohabitation des deux familles n'est maintenant plus envisageable. Alors, pour sauver ses deux fils, il chasse l'aîné avec sa mère de sa tribu. Alors bien entendu, Dieu rassure, accompagne, malgré tout, chasser son enfant est une chose terrible. Abraham avait deux fils et il est obligé de sacrifier le premier pour permettre à l'autre de grandir. Que penser d'un tel Dieu qui demande de sacrifier un fils, mais qu'il le bénit aussi dans un même mouvement? Les séparations sont le lot de la vie et Dieu les place aussi sous sa bénédiction, et cela n'enlève rien à la souffrance. Alors Abraham se lève tôt, pourvoit au nécessaire et laisse partir avec pour tout héritage une cruche d'eau et une miche de pain. Savoir être père, c'est aussi laisser partir son enfant. Contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, Agar l'Égyptienne ne redescend pas en Égypte, son pays, retrouver les siens. Elle part errer dans le désert. Agar, à garde de tristesse, à garde d'être rejeté, à garde d'incompréhension, juste pour un malheureux rire d'enfant. Après beaucoup de rires pour la naissance d'Isaac, nous voici devant les larmes d'Agar qui voit devant elle son enfant dépérir. Mais une voix va venir au secours de l'enfant et de sa mère. Car dans sa profonde douleur, Agar, pour se protéger, s'éloigne de son enfant. Le messager de Dieu va nouer un lien nouveau entre Agar, devenue maman solo, et Ismaël, orphelin de père. Deux êtres qui ont perdu une partie des liens qui les constituent jusqu'à présent. Mais cette perte, aussi douloureuse soit-elle, ne signifie en rien la fin de tout. Parce que la voix de Dieu va reconstituer une relation en juste trois verbes adressés à Agar. Le premier, lève-toi. Lève-toi, ressuscite en toi ce qui est vivant et laisse les larmes. Le deuxième verbe, la deuxième injonction, prends l'enfant. Ismaël n'est plus fils d'Abraham. Agar doit maintenant prendre l'enfant pour elle. C'est à elle qu'il revient d'élever, de faire lever ce petit bout d'homme. La voix du Seigneur renoue le lien dans une maternité nouvelle. Et la troisième injonction est tiens le bien. Oui, tiens le bien. Oui, tiens le bien, Agar, n'abandonne pas devant la difficulté. La mère, l'enfant ont maintenant besoin de ce lien ferme entre eux. Et Agar ? Agar ouvre les yeux, le voile de larmes se tarit. Agar voit le puits, la survie et la vie. La victime d'injustice se lève,
et ne se lamente plus sur son sort. Dieu est avec elle et cet enfant qui se construit en habile guerrier du désert. Et les rires reviennent peu à peu. Ismaël se marie avec une Égyptienne, rejetée du clan d'Abraham. L'identité d'Ismaël renoue ainsi avec les racines de sa mère. Dieu porte aussi celles et ceux qui sont à l'extérieur. Il y a une vie en dehors des clans établis. Il y a une vie avec Dieu en dehors des églises et du peuple traditionnel. Nul, même perdu dans les fins fonds des déserts de la vie, ne peut être placé hors de la bénédiction de Dieu. Ismaël, abandonné, trahi dans son innocence, rejeté, mais Ismaël debout, enfant accroché à la force d'une bénédiction contenue dans la main de sa mère. Ismaël, fils d'Agar, devenu homme, participe aussi dans un autre pays de cette grande et magnifique descendance promise par Dieu. Un homme avait deux fils. Éternelle histoire de famille où l'on rit, où l'on pleure. Éternelle histoire de famille où les identités se façonnent au gré des alliances, des trahisons et des séparations. La famille dans la Bible n'est pas un long fleuve tranquille, et ce récit de l'Ancien Testament colle tellement aux réalités contemporaines. Un homme avait deux fils, mais il a surtout un père, Yahvé, qui veille et assume sa promesse. Un père à qui Abraham fait toute confiance jusqu'à sacrifier sa relation avec Ismaël. Sa foi en Dieu, sa confiance en Dieu n'en fait pas un modèle de paternité, pas un modèle de conjugalité. Le texte biblique ne sera jamais un code moral de bonne conduite devant Dieu. Abraham rit, trahit, aime ses deux fils. Il chemine dans sa vie en se réjouissant de ce qui lui est donné et remet dans les mains de Dieu ce qui devient intenable. Comme il est écrit dans l'Épître aux Romains, Abraham n'est pas juste pour ses actions humaines, mais parce qu'il a gardé confiance. Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Un homme avait deux fils et une inébranlable confiance en Dieu. Amen.
Voici quelques annonces pour la vie de notre communauté. Merci ce matin à Jean-Pascal, Henri, Daniel et Jean-Claude d'avoir assuré le service du culte. Merci à Vincent qui est à l'orgue et merci à K.O. qui filme et qui met online le culte de ce matin. Je vous annonce la prière du soir qui aura lieu demain, lundi, le 7 février. La prière du soir est un moment à 19h, une fois par mois, où la communauté se rassemble autour de paroles, de silence et du partage de la scène. C'est à 19h à la chapelle Saint-Léger. C'est normalement tous les deuxièmes lundis du mois, mais en raison des vacances, nous l'avons avancé à demain, le 7 février. Je vous signale aussi, parce qu'il est bon de partager cela, la tenue de notre séance du conseil de paroisse. Ce mercredi 9 février, nous recevrons une délégation du conseil du consistoire et de la direction de l'église. C'est aussi bon pour la communauté de porter en prière les travaux du conseil de paroisse. Nous avançons et un nouveau verbe va rentrer dans le vocabulaire de la cathédrale. C'est le verbe twinter, je twinte, tu twintes, il twinte. Donc comme certaines nous l'ont demandé, vous avez la possibilité de faire votre offrande en ligne avec l'application Twint. Vous trouvez derrière le feuillet le QR code, qui vous permettra de le faire. Pour celles et ceux aussi qui nous écoutent par Internet, vous avez la possibilité aussi de remettre votre offrande grâce à l'IBAN qui va s'afficher en ce moment sur votre écran. Je rappelle que l'offrande est aussi une façon de louer, de dire merci et de se rendre compte que tout ce qui nous est donné appartient à Dieu. Voici donc le moment de l'offrande et nous chantons pendant l'offrande « Les cieux et la terre », le numéro 362, « Les cieux et la terre ». Joignons nos mains pour nous rejoindre les uns les unes et les autres dans la prière. Berger, voix du messager, sauveur des âmes, porteur de tous nos fardeaux, sagesse divine et verbe fait chair, tu aimes
et donne la vie à toute créature. Tu nous es plus intime que notre prochaine inspiration. Accueille donc nos louanges et bénis-nous de ta force et de ta présence. Bénis nos mains afin qu'elles soient tendues et bien ouvertes aux autres. Leur prise est parfois faible, mais leur toucher peut guérir en ton nom. Bénis nos pieds qui marchent et courent jour après jour, qui se fatiguent à tenir ferme, qui parfois hésitent, aspirant au repos, mais qui pourtant te suivent dans la foi sur le chemin du pèlerin. Bénis nos cœurs, souvent alourdis de tristesse, au-delà de ce qu'ils peuvent porter, confiant toutefois que tu ne nous demanderas pas davantage que ce qu'ils peuvent supporter. Bénis nos pensées et nos esprits. Ô Dieu de grâce toute maternelle, enfante en nous, dans ta miséricorde, un amour pour le monde entier. Dieu créateur, Père de justice et de joie, auteur de tant de paix et de beauté, nous cherchons à vivre en toi des vies de disciples. Bénis nos mains à ton service, nos pieds sur ton chemin, nos cœurs pour ton dessein. Bénis nos esprits fascinés par ton amour. Tout honneur, louange et gloire soit à toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Levons-nous pour chanter « Demeure par ta grâce », c'est le numéro 145, « Demeure par ta grâce ». Un Dieu a des fils et des filles auxquels il promet sa bénédiction. La grâce, l'amour et la paix de notre Seigneur sont sur nous, ici et maintenant. Allons en paix et dans cette confiance que Dieu nous garde. Amen.